Il y a toujours la même recherche chez Pininfarina. C'est vraiment un trait d'artiste parce que Pininfarina a fait rentrer presque l'art dans le monde automobile. Ils ont su apporter une élégance, une pureté et une beauté parce qu'ils sont toujours dans cette quête perpétuelle de la recherche de la beauté. Pourquoi un design, pourquoi une voiture sera belle, pourquoi elle va marcher, pourquoi elle va faire rêver des enfants et des anciens? C'est une histoire de tension, de justesse et de proportion. Et c'est induit par les lois physiques de la nature aussi. Pourquoi une aile d'avion, pourquoi une courbe, pourquoi sur cette voiture c'est beau? C'est parce qu'on a l'impression que ça n'a pas été dessiné. Et quand c'est pas dessiné, on en oublie qu'il y a eu un designer et des gens derrière et il y a cette beauté véritable des choses. Pininfarina has always been giving a lot of freedom to its designers. Of course, we see from the portfolio that they share the same values with us. My name is Paolo Pininfarina and we talk designers with Mechanicus. The Daytona is a little changed. The original GTB that actually was the last car designed by my father for Enzo Ferrari. It's an outstanding masterpiece, very muscular, very particular from the 60s. The Daytona is a key of the design with few lines that are outstanding. The line of the roof, the division on the doors, these straight lines that are very pure, very clean, very Pininfarina. La Daytona, en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle arrive en 68 et succède en fait à la 275 GTB. Elle est en rupture avec ce qui la précède. Les traitements sont beaucoup plus mécaniques, des tensions beaucoup plus exagérées. Et en fait, la Daytona, elle va en tout cas créer une nouvelle ère. Et il y a un nouveau langage qui est déterminé par Pininfarina pour Ferrari. Si on prend les voitures anciennes, on est sur un travail du métal, sur un dessin fluide et ordonné des choses. Et ça devient une voiture ultra durable d'un sens esthétique où on est dans une fluidité, les choses sont amenées sainement, simplement, et quand on la retrouve dans la rue, on se dit ouais, cette caisse elle est juste quoi, elle est là, elle est posée et elle durera dans le temps. Garaventi was a young engineer when make his drawings. I think he was with 30s. And yes, 1938, in its 30s. He was around 30 years old and just arrived at Pininfarina. And he studied, he was a fan of Pininfarina. Oh, he loved Pininfarina. He had cars from the 60s. So when he arrived, he immediately got along very well with my father. It's difficult to say, but it's his hand or the hand of my father. What I see in Daytona is them. It's them, the two of them. It's the expression of a talented designers working at Pininfarina and fan of Pininfarina. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. The 406 is another type of a car. If possible, it's even better than the other. It's a fantastic masterpiece. It contains all Pininfarina elements. One is the drawing of many lines. This aerodynamic, it's pure, it's beautiful, and it's made with these bed lines, these lines around the car. This movement is very typical from the Peugeot. It's
giving this fantastic long nose, this exceptional aerodynamism. There is another detail that is very typical for a six coupe design, is the rear pillar. The rear pillar is giving the dynamism of the car, and also details like all the corner of the car. These corner are giving something very special, a parabolic curve, very typical from Pininfarina. Sur la 406, on retrouve vraiment l'héritage d'un carrossier où on ressent la fluidité, l'œil ne s'arrête sur aucune ligne dure, les choses sont justes, douces, et quand on la voit dans la rue, on sait qu'elle appartient au passé, mais qu'elle reste contemporaine encore. The other story of the 406 is different. From Fioravanti is different. It's a man who have been making a long career at Pininfarina, making renders and then design, coordinating the design team. And at the end of the 90s, he had already more than 20 years experience with Pininfarina. So Pininfarina was the heir. The designer was breathing for 20 years, right? It was very natural for him to understand Pininfarina and express Pininfarina in his drawings. Pininfarina, ils intègrent toujours finalement l'idée de la beauté. Il y a toujours une idée de sculpture dans leur voiture et que tout doit être déterminé par la beauté et l'innovation. C'est aussi pour ça que Pininfarina fait partie des grands carrossiers qui sont encore aujourd'hui présents et qui donnent en fait les grandes lignes de l'esthétique automobile encore de nos jours.